Au début d'année, Bangassou était calme. La population faisait ce qu'il veut. Mais après, c'était au mois de mai, il y avait eu de l'insécurité jusqu'à présent. Issa et Niko aussi. À partir de 13 mai 2017, on a eu beaucoup de blessés au niveau du service de la chirurgie. Blessures par balle, blessures par arme à feu. On reçoit les blessés de Gambo, de Wango, de Bria, de Bombolo. Et au niveau de la pédiatrie, on a eu des paludismes graves et d'autres pathologies qui associent. Salut. C'est quel cas? Ça, c'est un cas de paludisme sévère. Ah, l'enfant, il vient d'où? Il vient de Okay. De Longueuil. C'est le centre qui l'a référé? Non, il est venu spontanément. Et l'enfant est malade depuis quand? Mais il était là, son dos là-bas. 3 jours. Depuis trois jours. L'enfant a déjà eu des médicaments? Oui. Donc, comme il n'y a pas de médicaments contre les palus au niveau des centres de santé, on reçoit beaucoup plus maintenant au niveau de l'hôpital des cas compliqués. Ala boa yorokwe na premier combat ya akwa kinati danape wanganga akwa kinati danikape ayiso asar kene dipeti muro tibu na gambo encore kape parce que ngumbe ki mingi chaque azwa kwi mingi bon na danganga nika kwazwa ikwahika bon dipeti sikape. Les besoins de la population, je pense que c'est être en santé, être en sécurité. Le staff qu'on peut en poser, pourquoi vous voyez que tout le monde est dans le mouvement, tout le monde se met au travail parce qu'on doit lever l'urgence en premier lieu. Parce que si MSF n'était pas là, on ne connaît pas le sort de la population de Bangassou.